à tous, chers amis, ici Nekros, le seul, l'unique. Et bienvenue dans ce 13e épisode qui pue la merde de notre aventure sur Castlevania Lords of Shadow. Qui pue la merde, pourquoi? Eh bien parce que, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment sur ma chaîne, savent très bien, le corbeau commence à me casser les couilles, toi. Savent très bien que le chiffre 13 est mon chiffre porte-malheur. Comme tout le monde en a un, j'imagine. Je crois, je pense, j'espère, parce que sinon je me pose sincèrement des questions. Voilà. Bref, le chiffre 13 m'a toujours porté malheur dans mes playthroughs, dans mes aventures sur YouTube. A chaque fois. A chaque fois, c'est soit un problème lors du montage, soit un problème lors de... J'ai envie de le buter, ce corbac qui me fait chier. Soit un problème lors du gameplay, ou bug il y a un gros bug du jeu qui me permet plus d'avancer. Enfin bref, à chaque fois. Chaque fois, ça ne j'y n'y échappe jamais, voilà. Seule fois où j'y ai échappé, bizarrement, c'est dans Rage. Son playthrough de Rage, l'épisode 13, aucun problème. Au contraire, c'est peut-être bien celui qui s'est le mieux passé. Bien, bon allez, on va avancer, même si j'en ai pas spécialement envie, parce que je sais ce qu'il y a en haut de ces escaliers. Il n'y a vraiment pas moyen que je le chope, ce corbeau, là. Il me troll, il me fait chier. Bien, allez. Allons-y. Et voilà. Fils de pute, va. Les chupacabras. Voilà, des petites saloperies. Les chupacabras sont souvent dépeints comme des monstres maléfiques, assoiffés de sang, alors qu'en réalité, ils sont obsédés par les reliques magiques. À chaque fois qu'ils sont en présence d'un tel artefact, ils sont prêts à tout pour s'en emparer. Les chupacabras ne sont toutefois pas des créatures foncièrement maléfiques, et la plupart du temps, après un bref jeu de cache-cache, ils rendent tout ce qu'ils ont volé. Voilà! En fait, ces connards, ils m'ont volé absolument toutes les reliques que je viens d'acquérir depuis le début de cette putain d'aventure. Faut que je le trouve, que je le défonce sa gueule, et qu'il me rende mes reliques. Le problème, c'est que c'est des saloperies de merde qui se téléportent. Et c'est exactement comme c'est écrit juste ici, après un bref jeu de cache-cache. Un bref jeu de cache-cache, mon cul, ouais, j'en ai pour bien 10 minutes. Ah, Chupacabra a volé vos reliques et vos pouvoirs, récupérez-les. Regardez-moi ces connards. Je peux rien lui faire en plus. Je suis obligé d'aller le chercher. Ah, je déteste ces saloperies. En plus, ils ont un rire complètement sadique. Complètement immoral. Il est là-haut, le fils de chien. Il est là-haut. Comment je l'atteins? Qu'enculé, va. Oh putain, je hais ces saloperies. Je hais ces saloperies. Tu sais, c'est vraiment le troll dans la plus belle forme qui soit. C'est vraiment la saloperie de bestiole qui est inutile en plus. Je veux dire, elle te fait pas de dégâts. Tu la one shot, la truc, c'est de la merde. Mais elle te fait chier. Elle te ralentit dans ton aventure, quoi. Allez, descends. Pourquoi il veut pas descendre? Rends-moi mes reliques. Voilà. Oh, j'ai jamais fait gaffe, la petite statuette là. Pas moyen de la casser pour les énerver un peu. Là. Ouais, pas moyen. Fais chier. Tant pis. Tant pis. Bien, bon bah voilà, ceci étant fait, à savoir qu'on va en croiser une bonne dizaine comme ça, dans le jeu. Ah, c'est pour ça que je les aime pas, parce qu'ils... Tu sais, ils apparaissent toujours quand t'en as pas envie, bien entendu. Quand tu t'y attends le moins. Et puis ils viennent te faire chier, ils viennent te troller au moment où t'en as pas besoin, quoi. Putain. Bande de crevards. Bref. Bref. Oh la vache, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, je me répète, ouais, j'en ai rien à foutre. Je dis ce que je veux. Pourquoi il y a autant de corbeaux ici? Oh putain, oui, je me souviens pourquoi il y a autant de corbeaux ici. Barrio. Non pas que j'aime pas les corbeaux, hein, c'est...
contraire, je trouve même que c'est un oiseau qui est vraiment magnifique, qui est vraiment sublime à sa façon, mais là ils viennent me faire chier, ils viennent troller mon écran, ça me saoule. Le mec il faut pas grand chose quand même. Ok. Yeah. Pardon. Voilà. Je me gourais de touche. C'était magnifique. Alors, j'ai 3600 points d'XP. Ah oui, bah si, je peux améliorer des trucs là aussi. C'était lequel qui coûtait 3000? C'était celui-là, je crois. Puff. Ça coûte cher ces merdes, ça coûte vraiment cher. Oh, va falloir que je farme en off parce que c'est pas possible, je vais jamais pouvoir avancer comme il faut. Non, c'est là-dedans. Alors. Ah, c'était celle-là. Non, c'était pas ça que je voulais, mais du coup, comment on fait le saut par-dessus l'ennemi? Je m'en rappelle plus. Je suis désolé, je perds du temps. Ouh, c'était celui-là que je voulais faire. Voilà, c'était celui-là que je voulais faire. Bon, j'ai 3600 points d'XP. Faut que j'en fasse quelque chose là. C'est quoi ça? Magie de l'ombre activée. Ouais, ça va être horrible ça à faire. Ça va être horrible, le fait de sprinter, d'appuyer deux fois sur le joystick alors que t'as les ennemis en face de toi, chiant. Ça par contre, ça peut être complètement craqué. J'achète. Voilà. Ça c'est fait. Poursuivons la quête. La sorcière corbeau. It is a sad tale of the witch who guards this fortress. A sad tale of love lost. A tale not so dissimilar to our brave hero. Yet pity is not something he can feel anymore. He is blind to it. The pity of these so-called evil creatures will be laid aside for revenge. And so goodbye, once beautiful Malphas. You will trouble mankind no more, and when you are gone into the void, know that love destroyed you in the end. Ça, c'est joliment dit. Il y a tellement de combos qu'il va falloir que j'apprenne sans déconner. Waouh. Putain. Ah, c'est vraiment super, il n'y a rien à dire. Y a vraiment des décors qui sont majestueux dans le jeu, y'a rien à foutre. Bref. Un parchemin qui va nous dire que c'est fait péter la gueule. La piste du pauvre frère Adolphus s'arrête ici. Je suis sûr qu'il doit être quelque part au niveau inférieur, mais je ne peux pas passer cette porte. Non, je ne peux passer, ouais, enfin, c'est pareil. Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Peut-être que descendre le versant de la montagne à l'extérieur me permettra de revenir et... Bon sang, quelque chose approche! Genre, le mec, il a eu le temps d'écrire ça. Le gars il est enfermé dans un truc comme ça, il entend des bruits complètement glauques autour de lui, il voit un truc énorme arriver devant lui, puis il prend une feuille de papier, un crayon. Attends, deux secondes, attends, excuse-moi. Oh mon dieu, je vais mourir. N'importe quoi. Bref. Hadoken. C'est épique ça. C'est épique, c'est pas le Hadoken, qu'est-ce que je raconte comme connerie. Ça n'a rien à voir. C'est... J'arrive plus à trouver le nom, en fait. Fulgur au poing. Ça... Ah non, c'est avec la magie de... C'est craqué. Ça me plaît.
Ok. Qu'as-tu donc à me donner, l'ami? Et une orbe de magie, parfait. Enfin, une gemme. Par contre, là, d'accord, sur le côté. Comme l'a dit le monsieur. Est-ce que je peux descendre? Est-ce que je peux encore descendre? Je crois que j'ai fait une connerie. Je vais mourir. Non! Je suis sûr qu'il y avait un truc en haut. Pas moyen de moyenner là? Ouais, si, il y a moyen de moyenner. Dis-moi qu'il y a moyen de moyenner. Allez, abuse pas. Fuck! Fais chier. Bon, bah tant pis. Puis je peux vraiment pas remonter? Non, je peux pas remonter, putain, j'ai fait la bruit. Tant pis. Ça c'est fait, voilà, comme ça au moins. Ça sent la glissade de la boue. Bon, j'étais pas censé croiser les vampires par ici. Non pas que je sois déçu, mais un petit peu quand même. Taboum. Approche. Damn. D'accord, c'est comme ça que je passe. Deux liens. Ok. Je suis désolé, je suis pas très vivace aujourd'hui. Hein, bon. Il y a des choses qui arrivent. Je suis un peu fatigué. Tout le monde s'en fout, je sais, mais je préfère le dire quand même. Bon, du coup, j'ai découvert comment on passe par-dessus les ennemis. En appuyant sur L2, en fait, la parade. Et quand je fais le Fingerpoint, c'est en restant appuyé sur X. Et là, juste en appuyant une fois sur X, ça me fait me téléporter derrière l'ennemi. Et l'amélioration que vous aviez vue tout à l'heure, que je n'ai point acheté, c'est en faisant ça, tac. Puis en retapant, en faisant un combo 3 fois carré. Pour leur déglinguer la... Ouais, la... Exactement. Boum. D'accord, ça m'a ouvert un raccourci, ok, et après... Ah, je vais pouvoir retourner en haut. Ah, je peux plus retourner là. Ah si, c'est... Ok, autant pour moi. Autant pour moi. Genre, les ennemis ont respawn. Tu te fous de ma gueule? Yep là! J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Fuck! Yep! Tout le gueule au poing! Voilà! Putain! Tu es à moi! Un peu de santé. Si c'est pas trop vous demander. Genre, tu me touches! Alors, est-ce que les ennemis respawnent à chaque fois que je reviens là? C'est une très bonne question. Parce que du coup, ça me permettrait d'essayer ce que je viens d'acheter. Le temps que je perds sur cette aventure, sans déconner. Enfin, sur cet épisode, en tout cas. Ça respawn ou ça respawn pas? Mais... Allez, respawn. Je vais avancer peut-être un petit peu plus dans la salle. Non mais vu que c'est des gobelins, c'est des ennemis qui sont faciles à buter, je devrais essayer le dernier pouvoir que j'ai acheté. Ah voilà. Détends-toi ! Oh ! Un fragment, parfait. Très bien. Voilà, j'ai fait ce que je voulais faire. Ça me prouve que c'est pas si surpuissant que ça en a l'air, en fait. Fuck. Paraît bizarre, en fait, cette entrée. Vous voyez, il y a un truc qui brille là-bas. J'ai l'impression que le mur, on peut le casser, en fait. Ou pas.
Ou pas. Très bien, bon. Du coup, je vais pouvoir aller là où je voulais aller. En fin de compte, je pense que j'ai bien fait de descendre en bas. Parce que ça m'a ouvert ce passage secret, là. Bon, rien de donné de particulier, mais... Allez! Il y a un boss qui nous attend en haut. Pas faire le con. Par contre, je vais pas y aller full life, ça m'emmerde un peu, si vous voulez tout savoir. Je sais pas si on m'entend bien, en fait, parce que c'est vrai que je parle pas spécialement fort aujourd'hui. Je verrai ça au montage, si jamais on m'entend pas assez, je montrerai le son de ma voix. Ma voix délicieuse et remarquable, n'est-ce pas? Ah, ça va, je rigole. Et bouillakacha! Hell yeah! Ce bruit ne me dit rien qui vaille. Ce petit son mélodieux ne me dit franchement rien qui vaille. Ouais, j'ai cassé le vitrail. Ouais, et alors? Mais ouais, je suis un rebelle. J'en ai rien à foutre, moi. Fuck la vie, fuck la police aussi, tiens. The hell? Ok! Eh merde. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il faisait que pas... Ouch! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas comment le battre, en fait. Parade! Tu l'avais pas vu venir, celle-là? Tronçonneuse! Ha ha! Oh! Cette classe. Vous avez bloqué une entrée baissière, je m'en fous. Je m'en fous, est-ce que tu comprends ça? Putain, la caméra qui fait chier là! Hein? Ça vient de minute la caméra là! Ah, je pouvais pas le parer sur. Aïe! Aïe! Loupé! Ouais, genre le mec il se la pète! Qu'est-ce qu'il fait? Ouah, le mec, il a mis son épée électrique. Ouch. Toi, t'es mort. Bam. Oh la vache, les dégâts qu'il fait. Les dégâts qu'il fait, l'enculé de sa race. Baboum. Putain, c'est quoi ces ennemis, quoi? C'est complètement glauque. Ouais, Tu t'attends à un truc épique? Non, c'est juste une nuée de corbeaux qui sont venus ouvrir la porte. La caméra est très chiante dans ce niveau là. Putain, casse-couille. Enfin bref. Ok. J'allais dire, ça m'a tout l'air d'être une arène par ici. Eh merde! Oh, genre! Oh, vous me faites chier, tiens! Allez, ça a pas. Putain, j'ai plus de. D'accord. Ça n'a pas marché, c'est normal. Mais vas-y la caméra, mais non, mais voilà, je vais me faire baiser après. Waouh. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent pas passer non plus. Juste que je m'éloigne des plans d'eau. Mais non, mais vas-y, arrêtez. Putain, ils vont me buter, hein. Bon buté. Non, vas-y, j'en ai un. Non, vas-y, c'est de l'anti-jeu. Fils de... Ferme ta gueule, la musique, ferme ta gueule. Bon. Bon, on m'avait promis des vampires à la base, hein. J'aurais pas à dire, mais bon. Ah, ils vont être chiants, ceux-là. Je sens qu'ils vont me faire chier.
Ouais, j'ai vu que mes couteaux étaient enflammés, alors j'utilise. Voilà. T'y as cru, hein? Hein, t'y as cru? Mais putain. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ils vont me faire très très mal. Wouah! Comment je te l'ai mis dans les dents? Non mais voilà, voilà putain, c'est ce que je disais. La caméra qui se met sur le l'autre qui attaque et puis du coup je me fais baiser la gueule moi. Putain. Vas-y. Je sens qu'ils vont être chiants ceux-là, ouais. Ouais. Pas évident, putain, la vache. Bon! Bon, il me faut une stratégie. Luciole, à l'attaque! Déjà, hein? Mais genre, non, mais c'est une blague. C'est juste une putain de blague de sa mère. Allez, mais putain, voilà. Non, mais pendant ce temps, l'autre, il me tape. C'est pour ça que je gueule, moi. Par contre, eux, Osef de mes attaques, tu sais. Voilà. Voilà, je vais me faire baiser encore. Et merde. Et mon arme. Mais non, mais vas-y, allez. Prends de la merde, ça. Mais non, putain, puis je fais de la merde en plus. Putain. Take this. T'es à moi. C'est bon? Ouais, faut croire que non. Putain, l'ascension de cette tour, elle est vraiment casse-couille. Les dagues qui ont disparu, quoi. Putain. Ah, ça m'énerve. Ça m'emmerde. Ces problèmes là, ces bugs à la con. Bah non, mais c'est chiant. Il y avait des dagues juste là. J'ai pas pu la ramasser à cause de la cinématique, quoi. Bref. Cross qui est mauvais perdant. Vous pouvez pas atteindre cette arme d'un coffre et revenez quand vous aurez un meilleur compétence. Fils de pute. Au moins la cinquième que je croise, on me dit ça. Quoi. Ça m'énerve. Et pour améliorer mes compétences, ou bien que je ramasse des coffres comme ça, enculé. Ouais. Ah ouais, je suis violent, et alors? Bon, puis je fais quoi du coup moi? C'est bien beau ça, mais là. Ok. Ça va se faire. Faut être patient. Chose que je ne suis plus depuis longtemps. Voilà, moi j'ai envie d'aller à gauche. Pourquoi? Ben parce que j'ai envie d'aller à gauche. Me fais pas chier. Voilà, tu vois, j'ai bien fait. Ah! Ah! Ça te trouve le cul, ça! Hein? Non, mais je t'ai entendu, hein. Je t'ai entendu, là. Ok. Là, y'a rien. Très bien. Parfait.
Alors pour ceux qui se le demandent, non, on ne peut pas améliorer plus que la barre de santé que vous voyez à gauche. Vous voyez, limite, on ne peut pas la faire grimper plus. À moins que je dise une connerie, peut-être en... Non, il n'y a pas vraiment de New Game Plus, mais en refaisant... bah non, non, de toute façon, des gemmes de vie, il y en a un certain nombre. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Au moins, ça, pour ceux qui se poseraient la question. Pour ceux qui ne se la posaient pas, eh ben vous avez quand même la réponse que vous la poseriez un jour. J'aime pas ce niveau, je sais pas, ça doit se ressentir, je pense. J'aime pas les mobs, il y a des trolls, des saloperies de merde qui viennent me piquer mes pouvoirs et mes reliques. Une espèce de fantômes qui sortent de nulle part, qui sont juste complètement cheatés. Là, je vais me battre contre un boss qui va me casser les couilles aussi. Pourquoi? Mais parce que je m'en rappelle. Parce que je sais très bien comment ça va se passer. Parce que le mec, il a des ailes, donc il vole, donc il est chiant, voilà. Bon, par contre, il est classe. Ça, j'avoue. Ça n'empêche pas le fait qu'il est casse-couille. Allez, allez, appelez votre maître, là, qu'on en finisse. Ridicule. Holy shit! Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais il me crache! Il me crache un globule à la gueule! D'accord, je me suis chié dessus. Wouah! Des harpies! Des saloperies de harpies! Ouch! Loupé! Loupé. Reste au sol. Ah, je peux pas les choper, là. Ah, si, bien sûr. Et... BAM. Oh, putain. Allez, vas-y, je l'ai, putain. Mais viens là! Pourquoi il achète pas? Eh bah putain! Tout de même! T'es mort. Oh, c'est dégueulasse. Ah, ça marche que avec la magie de l'ombre, les... J'en ai plus, d'accord. Viens là, enculé. Arrête de te barrer comme un putain de lâche que t'es. Rassonneuse. Tiens, donne-moi ça, toi, avant que je me fasse attaquer. Oh, putain, j'aurais jamais dû faire ça. Je me gourde de touche. Et d'accord. Ok, je viens de comprendre. Putain! Fils de pute! Wow, mais arrête, détends-toi! Ça va bien se passer! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Wouah! Ah, merde! Je vais crever! Allez! Ah, par contre, je me reprends un coup, je suis mort. Bon. De toute façon, j'ai compris le principe maintenant. Voilà, vas-y, balance-moi ta merde. Allez, faut pas que je me chie dessus, par contre. J'ai! Il y en a deux qui sont quand même
Allez! Mais il me spam, le connard! Aïe! 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 Putain, pas évident celui-là. Comme tous, me direz-vous. Bon, allez. On se concentre. Je vais essayer de pas me refail. Passer la cinématique parce que ça va bien 30 secondes. Du coup, l'autre, j'ai même pas. J'ai dû ramasser un truc sur le cadavre là, mais je sais même pas ce qu'il m'a donné. Je trouve un truc surpuissant pour pouvoir le niquer. Ah, vas-y, je suis sûr que je pourrais. Je suis sûr que je peux en avoir deux. Mais vas-y, je l'ai esquivé celle-là. Oh! Oh putain, non, mais vas-y, ça c'est de la triche ça. Allez, balance-moi ta merde là. Balance-moi ta marmaille. Et je me suis chié dessus. C'est bon. Non, vas-y, je l'avais, quoi. Et merde, j'ai pas le temps. Chier. Fais chier. Vais me laisser faire ce que je veux, oui. Non. Putain. Oh là là. On peut le faire. Je sais sincèrement pas combien de temps va durer ce putain d'épisode. Ça risque d'être très long. Je suis sûr que je peux en envoyer deux. Non mais d'où il me touche le mec? Ah, je sais pas si c'est un mec d'ailleurs. Compris, putain de merde. Wouah, c'était quoi ce que je viens de faire là? J'ai fait un combo, je sais même pas comment je l'ai fait. Allez! Oh mais d'où il y en a encore un? Tu te cachais où, toi, sale vermine? Ça, son cri de merde, là, c'est vraiment... Non, puis je peux pas l'esquiver, en plus. Allez. Dépêche-toi. Pas toute la journée. Non, vas-y, j'avais le deuxième. C'est eux, en fait, les plus chiants. C'est pas le boss en lui-même, hein. C'est vraiment ces petits sbires de merde. Le micro s'est concentré, chers amis. Là, toi.
Ah, moi j'ai envie de te dire que je vous donne quand même un peu des pickness, hein. Non, tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Non, mais d'où il m'a ? Vas-y, putain, j'étais pas dans son champ de merde là. Faut que je le ferme. Ferme, j'ai dit. Voilà. Bien. À nous deux. Non mais vas-y, en fait c'est à cause de la cinématique. Tu aurais pas la cinématique de merde, là je l'aurais. Oh putain, oui. Oui, 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 oui. Allez, on se concentre. Je me chie pas dessus. Luciole, occupe-toi de ces fils de pute. Et merde. Toi par contre. Yeah. Non mais non mais non mais non. Non, vas-y, je l'avais, putain. Viens là, connard. Ok. Ah, mais d'accord, en fait, c'est... oui, non, je suis vraiment l'abruti, en fait. Depuis le début, je me fais chier à essayer de lui en renvoyer deux. En fait, faut juste le stun avec son œuf là, puis aller l'attaquer. Ok. Ah, j'ai du mal aujourd'hui. J'ai du mal. Mais bon, ça va le faire. Allez. Si mes voisins sont sûrs qu'une seule solution à mon problème, l'hôpital psychiatrique de sa mère. Non mais vas-y, joue, on me touche. Oh putain, j'ai chaud. Allez, allez, allez. Caca, caca, caca. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh non, me dis pas que ça va s'écrouler. Non, vas-y, j'ai pas pu ramasser le truc du cadavre là. Non, mais c'est de l'injustice. Oh, fais chier, tiens. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai pas pu ramasser ce qu'il y avait sur le cadavre, ça m'emmerde. Bref, tant pis. J'irai le faire en off. De toute façon, je recommencerai. J'irai farmer un bon coup quand il faudra. Bien. Eh ben, putain, ce combat qui m'aura fait chier, mine de rien. Wouah. En tout cas, ça manquait pas des pique-nets, je suis content. Je suis content. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, oui. Donc, on va s'arrêter parce que cet épisode aura bien assez duré comme ça. Je vais rien couper au montage. Comme ça, vous verrez tous mes fails.
y a que ça de bon. Et puis, bah, écoutez, chers amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. C'est un plaisir de le tourner dans votre compagnie. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. De nos aventures sur Castlevania, sur Rage, sur Uncharted et d'autres choses qui suivront au fur et à mesure des mois et semaines à venir. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, chers amis. Ciao, ciao. Et surtout, portez-vous bien. Allez, bye.